Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et ce soir on se retrouve sur Horizon, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on est sur Horizon 2 et on va continuer notre aventure, mais avant ça on va aller faire les quêtes secondaires. Voilà, parce que j'ai regardé un petit peu la carte et donc tout ça ce sont des quêtes secondaires, donc on va aller faire ça. Avant de continuer à la quête principale. Ouais. Faisons un petit peu de la annexe. Il y a des points d'interrogation aussi, des petites choses qu'on connaît pas. Franchement, c'est là-bas que c'est le plus loin. En plus, c'est un cul-de-sac, alors autant aller là-bas. Voilà. On a notre petit itinéraire. Allez, c'est parti. Du coup, c'est par là. Voilà, on reprend un petit peu Horizon. Parce qu'on l'aime, on l'attendait, il est magnifique, il est incroyable. Franchement, regardez-moi ce paysage magnifique. On apprécie, ça fait plaisir. Par où je sors du village? Par là, il y a une porte. Je peux sortir par là, hein. Ah, pas y aller à la neige? Y'a pas un autre chemin? Je crois qu'on pourrait, hein. Traverser à la neige. Non, c'est bon. Il y a un pont. Une route. Autant s'en servir. Hein. C'est mieux. Hop. On récupère des petites ressources sur la route. Ah, je crois qu'on a fait une quête sans trop vouloir. C'est pas grave. Tant mieux. On apprécie. Ah, il faut que je récolte de la viande de sanglier par contre. Il me faut des sangliers. Sangliers! Ça va pas. C'est bon. Du sanglier. C'est bon. Du boisé. Du bon petit sanglier pour ce soir. Non, c'est pour le donner au cuisinier. On mangera pas celui-là. Ok, on a de la compagnie par contre sur le chemin. On va se faire discret. Discrétion. Discrète. Tout en douceur. C'est bon. On m'a pas vu. M'a pas vu. Je peux pas pirater ça. Je dois récupérer des données dans un creuset si j'en trouve un. Ouais, on essaiera de trouver des creusets. On aime bien pirater des machines. Tu viens? Viens, mon petit. Faudrait que tu viennes un peu plus près. Rapproche-toi. Allez, viens. Viens voir la pierre. T'as pas envie. Tu veux pas venir voir la pierre. Ah, salut toi. Ok, il est pas content. J'ai tué son copain, il est pas content. Ok, il en reste un là-bas. Ouais, balance pas des trucs comme ça partout. Ah, niveau 4 atteint. Magnifique. Raté. Ah, moi aussi je l'ai raté. Touché. Arrête de sauter, tu t'es pris pour une sauterelle. C'est une sauterelle. Est-ce qu'on a le droit de les appeler les sauterelles? Hop, on récupère les ressources. Ça fait toujours plaisir. C'est bon, il n'y en a plus. Je les ai tous tués. Hein. On est d'accord. Allez, on récupère tout ça. Ça fait plaisir. Merci bien. Un peu de soin aussi. Hop. Un peu sur moi. Voilà, ça fait jamais de mal un peu de soin. Là, il y a un truc que j'ai pas récupéré. On récupère tout. Absolument tout. On ne laisse rien. Par là qu'on va? Ouais, je pense que c'est par là. Hein. Du sanglier! Il est où? Bah. Et en plus, je l'entends, je le vois pas. Sanglier. Le sanglier a disparu. Je répète, le sanglier a totalement disparu. Je sais pas, peut-être qu'il y a des pops. Alors, c'est par où on continue de monter? Allons-y, montons dans la montagne, il n'y a pas de souci. Ça me convient, on grimpe, on grimpe. On grimpe encore beaucoup comme ça? Peut-être pas par là. Plus par là peut-être? J'en ai pas l'impression. Yart. Canyon pourpre. On devrait y être là? Presque? Y'a pas une entrée? Y'a pas quelque chose? J'en ai pas l'impression. Est-ce que c'est normal? Faut-il que l'on trouve nous-mêmes l'entrée? Je ne sais pas. Dans les canyons pourpres. Peut-être plus bas? Est-ce que ce serait pas plus bas? Oh! Peu de camp! Ça en prend. Hop! Petite sauvegarde rapide. Non, ça c'est juste pour grimper. Je pense pas que ce soit là. Sanglier! T'en vas pas! Pas de munitions. Comment ça, pas de munitions? Il est où mon sanglier? J'ai perdu de vue. Mon sanglier. Il est là-bas. Ah, il est tellement loin maintenant. Ah, je l'ai eu quand même. Comment ça, plus de munitions? Ça le fait pas, ça. Pas pendant que je chasse le sanglier. Ok, il m'en faut encore, en tout cas, des sangliers. Pendant qu'on cherche... je ne sais quoi, en fait. Je ne sais pas exactement ce que l'on cherche, mais on le cherche. Sinon, non, là en bas, il n'y a pas l'air d'y avoir de... Il n'y a pas l'air d'y avoir de grotte ou autre. Ah, quoi que là, il y a quelque chose, non? Il y a quelque chose ou c'est un faux quelque chose? Oh non, il y a quelque chose là. Je peux pas tirer ça. Pas tirer ça. Comment ça, tu peux pas tirer ça? Ah bah c'est pas grave s'il y a cassé ça comme ça. Ah, faut maintenir. Allez, casse tout. Oh oh. Ah, un éclat, c'est cool ça. C'est pas ça que je cherchais, mais on prend. Mais c'est absolument pas ça que je cherchais. Non, elle escalade pas vraiment les falaises. Faut abuser. Bon, alors c'est... Comment qu'on y va, nous, dans notre truc, là? Quoi, ça, c'est un autre feu de camp? Abri inconnu. Peut-être un passage secret caché, encore? C'est possible? C'est fortement possible. Il n'y aurait pas quelque chose qui... pourrait être cassé, enfoncé, tiré. Non, je vois pas. Hein. Je ne vois rien de rien. À moins que ce soit en haut. Ah ah! Ah, trouvé! Oula! Oula! On va aller grimper de façon un peu bizarre. On grimpe, mais on grimpe. Tant qu'on grimpe, moi ça me convient. Allez, Aloy! Eh ben. Eh ben. Eh ben, c'est pas là. Plus haut? On peut monter là-haut. Question, c'est par où? Par là! Allez, Aloy, monte! Je peux récupérer cette fleur là? Voilà. De la fumée. Ça vient de là où Arnouf a dit que se trouvaient ses collègues. Ah, faut tout redescendre maintenant! Je suis montée pour tout redescendre? Sérieusement? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas interagir avec ce truc là? Je garde ça. Ouais, mais ce truc là, t'en fais quoi? Non, je pourrais faire. C'est peut-être pour plus tard, je ne sais pas. Bon, en tout cas, notre quête, nous, c'est là en dessous. Waouh, 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 tombe pas, tombe pas. Descends en rappel, mais ne tombe pas. Magnifique descente de Aloy. C'est sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé. On dirait que les mineurs ont des problèmes. Alors... C'est quoi vos problèmes? La force soit louée. Corvend nous a fait sortir. J'ai plus de place sur moi. Je l'envoie dans ma réserve. Vas-y, envoie dans la réserve, ce sera parfait. Je peux pas passer. Ça doit être le contremaître dont Arnouf m'a parlé. Je devrais aller le voir. Et eux? Ça va? Je vais bien. Merci, Corvend. Corvend? Arnouf m'envoie. Pas maintenant. Ah, il va pas bien, lui. Doucement. Dis-moi tout. Une explosion dans la mine. L'eau a tout englouti. Aïe. Certains de mes hommes sont toujours en bas. Je dois continuer. Tu en as fait assez. On va y aller, nous, t'inquiète. Tu es blessé? Ça ira. Les autres... Pitié. Ah oui, on va s'en occuper, t'inquiète. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. On a fait des explosions maîtrisées pour ouvrir de nouvelles veines. L'une d'elles a du mal tourner. Je dois y aller. J'y vais. Il en reste combien à l'intérieur? Corvend, combien? Deux, je crois. Oui, deux. Je vais faire mon possible. Ok. Ok, c'est parti. Allons sauver les mineurs. Trouver les mineurs disparus. Déjà, là, il y a un petit chemin caché. Faut trouver ces deux mineurs, vite. Il va dans l'eau. Ok, et l'autre chemin? T'as dit quoi? Ah, mais en fait, ce chemin-là, il est totalement bloqué. Ok, bah on passe par le petit chemin par là. Ok, on va plonger. Carré pour plonger. Waouh! Ah, ça c'est beau. Par contre, attention à l'oxygène, on va éviter de se noyer. Et on remonte. On remonte, on remonte. Eh oh, est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'il m'entend. Attends, tu peux fouiller la caisse d'ici, c'est possible? J'avais pas l'impression. Faut que je remonte pour ça. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non, il a coulé le tonneau. Comment je fais pour aller chercher cette caisse? Alors déjà, il y en a une en dessous. Exploration sous-marine. Ça, ça va être pas mal du tout. Par contre, c'est misère pour remonter. Ok, tout va bien. On peut pas remonter là? Si, on peut monter. Ouais, mais je vois pas comment je vais chercher celle-là. C'est sûr que tu veux bien l'ouvrir ou pas? Attendez. Ah non, j'y étais. C'est bon, je l'ai. Voilà. On se met contre la paroi et ça finit par fonctionner. Modifier la quête. Ok. Elle est pas très grande la map. Alors attendez, quête. C'est laquelle que je suis en train de faire? Comment je sais celle que je fais? De gros ennuis. Active la quête. Ok. On nage. Heureusement, elle a pas d'endurance. D'accord, c'est pas par là. C'est plutôt par là, alors. C'est peut-être sous l'eau aussi, hein. On voit que dalle. Donc l'endurance, il n'y en a pas, mais par contre, l'oxygène, fera très attention. Oh, remonte, remonte, remonte. Ouais, je crois que je peux passer là-dessous. Ouais, peut passer. Se propulser. Ouh. Ah non, non, te noie pas, Aloy, 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 tu me fais pas ça. Non, pas ça. Les mineurs. L'un d'eux n'a pas l'air en forme. Eh ben voilà, les a trouvés. Vous savez nager, j'espère. Vous allez bien? Qui es-tu? Corvend m'envoie. Vous êtes blessé? Ah, ma jambe. Ah, j'étais trop près de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. On faisait des explosions dans le tunnel du fond, mais l'échafaudage n'a pas tenu. Il s'est effondré. Je crois qu'il a bloqué le puits de drainage. L'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier. J'ai à peine eu le temps de nous traîner ici. Alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels. À quoi tu penses? J'ai une idée. Il reste des explosifs? Oh, tout est répété. Oui, il doit en rester en haut, mais... Tu vas avoir besoin de ces mèches. Non mais vous êtes dingue! Tu ne peux pas bouger. Et je ne te laisserai pas ici. Elle ne pourra pas empirer la situation. Ne bougez pas d'ici. Je suis pas sûr, hein, s'il y a tout qui s'effondre et qui se font écraser, on empirera la situation. Je trouve ce qui bloque ce puits de drainage. Et que je fasse sauter le barrage. En espérant que ça ne fasse pas s'effondrer toute la mine. Ouais, c'est pas par là qu'il fallait aller. Ok, on va replonger. Elle plonge tellement bien à l'œil. Magnifique. Ah d'accord, je ne peux pas avancer. Il y a trop de courant. D'accord. Est-ce que avec un sprint, elle peut y arriver? Bah, avec une propulsion là. Allez, se propulser, vas-y. Allez, Ramon, va pas te noyer, va pas te noyer. Au fort, Aloy. Ça y est. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage. Ils sont là où tes explosifs. Ok. Je peux m'agripper à ça, moi, bonne question. Bon, j'ai une échelle pour remonter en cas de chute dans l'eau. C'est bien. J'ai pas l'impression qu'elle puisse s'accrocher là, ces trucs-là. J'ai pas l'impression du tout. Peut-être falloir plonger. Hein. Ah, voilà, là, il y a une échelle, là. Mais ça va être tellement bien les faces sous l'eau. En vrai. Je finirai par sécher. Je finirai par sécher. C'est bon, elle s'inquiète pas trop d'être mouillée. Tout va bien. On peut pas monter par là. Y'a rien par ici. Cette corde amène dans l'eau. Pas un truc à faire avec la planche là ici? Là là non, rien. Rejoindre le chariot, t'es comique, rejoindre le chariot. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ça je pense pas qu'on puisse monter. On va regarder sous l'eau s'il n'y a pas des choses. Peut-être un passage là-dessous. Bon, en tout cas, il y a un coffre. Il y a quelque chose. On va aller voir ça. Ok, reprends ton souffle à l'œil. Ah, peut-être par là? Ou peut-être pas, en fait. Pas moyen de grimper ici? Non. Aucun chemin? Bah, il doit bien y avoir un passage pourtant. Sous l'eau, on n'a rien d'autre. J'en ai pas l'impression. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Forcément quelque chose que j'ai pas vu. C'est obligé, il y a un truc que j'ai pas vu. Ah non, c'est un juste un objet. Eh non. Non, non, c'est rien. Non, c'est pas là. Avec le grappin, il n'y a pas un truc qu'on pourrait... Si. Ouh! Un coffre volant. Oh, c'est déjà ça. Non. Mais non, pas l'arc, voyons. Ça a l'air d'être trop loin. De toute évidence, c'est trop loin. Ok, on va déjà aller chercher ce coffre que j'ai fait tomber. On récupère, hein. Ok, ensuite on va se mettre ici. On va tester avec le grimpage, je peux l'utiliser dans l'eau. Question. Hey, recoucou Xena, comment ça va? Non, je ne peux pas utiliser le grappin dans l'eau. Non, mais il y a une échelle juste là en fait, d'accord, je viens de la voir. Ok. Fallait juste sauter ici. Sans commentaire. Sans commentaire. Allez, Aloy, saute. Montre-nous tous tes talents. Comment ça va, Xena, depuis tout à l'heure? Des tunneliers. Ah, super. Je peux pas utiliser mon arc, là. J'ai pas le choix que de sauter, en fait. On n'a pas eu la fin de ça, ce qu'elle disait. On n'y voit absolument rien, mais c'est incroyable. Cette eau est aussi claire que de l'eau de roche. Bah écoute, moi ça va super. On n'y voit rien sous l'eau, mais sinon ça va. On va éviter de se noyer. Ce sera pas mal. Là, quelque part là, je peux remonter. L'exploration des creusets peut m'apprendre à pirater ces machines. Oui, mais on n'a pas trouvé de creuset encore, ma grande. Tu m'as vu là? Je crois que ça va taper, hein. Il est où? Et... Oups. Là, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Non, il m'a vu. Ouais, il y en a un qui m'a vu, mais lui, il m'avait pas vu. Salut! Non, faut ça dans le tas, c'est un mauvais plan. Commence toujours bien, hein, avec de la discrétion, et ça finit en fight à chaque fois. Maintenant, il faut que je sorte de cette pièce. C'est bon, bah ça va, il y en avait trois, un qu'on a tué en toute discrétion. Puis bon, bah les deux derniers... Voilà, quoi, faut un peu d'action. Voir s'il me mène aux explosifs. C'est rail, quel rail, quel rail. Elle a vu des rails, elle. Bah, elles sont où ces rails? Non mais en vrai, où est-ce qu'elle a vu des rails, elle? Ici peut-être. Ici, il y a des rails. En face? Non, pas en face quand même. Ok, là on peut monter. Ah bah lève là les rails. Ah oui donc d'accord, ouais en fait j'ai fait j'ai fait des raccourcis. Du coup c'est de ce côté là qu'il faut aller. Moi je veux bien suivre les rails mais ça passe pas là. Y'a pas de quoi s'accrocher. Vous croyez que ça passe? On va faire un sprint, on va sauter. Ah, oh, ça passe! Incroyable à l'œil. C'est vraiment la meilleure. Voyons où ça nous mène. Faut pas être trop grand, hein. Je vais prendre des courses de code. Des cours de code pour le permis lundi. Ah, cool! Ah, tu me diras comment ça se passe? J'espère que ça ira bien. Oh, il y a plein de belles choses. On voit rien par contre là-dedans. Ok, elles sont où mes rails? C'est par où que je vais maintenant? Faut que je redescende? Ah, on va dire qu'on redescend. Oups! Voilà les explosifs. Ah! On les voit. Il faut que j'arrive à traverser. Ok, alors là, c'est sûr. Ça sent le grappin. Le grappin. Et voilà. C'est pas du tout un saut raté. Fort heureusement, j'ai fait descendre l'échelle juste avant. Je finirais bien par sécher en marchant. Elle sèche comme ça, elle. Normal. Aloy, tu veux bien faire un beau saut et t'agripper? On va faire un petit sprint. Hop! Voilà, magnifique Aloy. Ok, bah y a pas de souci hein, si tu t'absentes, hein, c'est pas grave. Hein. Ok, on monte. Et coucou Yara, comment tu vas? Ok, c'est bon, on a réussi à monter. On a trouvé les explosifs. On va pouvoir tout faire péter. J'ai tiré à côté. J'ai re... Non! Là, je suis dessus. Ok, on l'a fait tomber dans l'eau. Est-ce qu'on va le chercher? Non, on va pas le chercher tout de suite. Hein. On va d'abord tout faire péter. Eh bien écoute, Xena, j'espère que tes cours se passeront bien et que tu auras ton permis rapidement. Mais j'ai toute confiance en toi. Ça va être un vrai jeu d'enfant. Et voilà, il n'y a plus d'eau. Et elle saute comme ça, normal. Tout va bien. Ah bah voilà, mon coffre qui est juste là. Ça a attiré son attention. Voilà. Ah bah d'accord. C'est le gibier pour nous. Les bonbonnes. L'œil, ça marche aussi. Paf dans l'œil. Paf raté. Paf touché. Ah, yeah, mais tu fais mal, copain. On le finit pendant qu'il est au sol. Voilà. Ah non, mais il y en a d'autres. Waouh, 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 waouh. Salut les copains. J'ai pas analysé ses points faibles. J'en ai plus. Waouh, waouh. Non, mais laisse-moi crafter mes flèches, s'il te plaît. Tu seras gentil. Ah, peut-être essayer les acides, d'ailleurs. Oh merde, ils m'ont tué. Ah, bah rape. Ah, ils font mal, hein. Ils font très très mal, les copains. Et en plus, je peux même pas faire ça discretos. C'est eux qui me tombent dessus. Que de violence! Ça a attiré son attention. Ouais, il a attiré son attention. Semblerait. Mais d'où tu me touches? Eh, calme-toi. Hein. Faut te calmer, copain. Mais c'est des têtes chercheuses, ce truc! Oh, mais il fait trop mal! T'as fini, oui? Il y en a encore un. C'est pas fini. Il est où? Faut mourir, copain. Eh bah dis donc. C'était le dernier. Maintenant allons voir ces mineurs. Ah bah heureusement que c'était le dernier. Ça c'est pour la réserve. Ouais ouais, prenons pour la réserve. On prend tout, on ne laisse rien derrière nous. Absolument rien. C'est bon, on n'a rien oublié. Oh, par là, il y avait un coffre, on l'a pris. Ouh, c'est quoi ça? Attendez. On va pas pouvoir tirer ça. Non, ça marche pas. Peut-être parce que j'ai déjà fait, je sais pas. On se remettra un peu de la vie, ça fera pas de mal. Hein. Par contre, ça va falloir le tirer. Hein. Ouais, d'accord. Ça se tire, ouais. Hein? Attraper caisse? On peut la pousser. Ok, ça sert pas à grand chose, mais on sait qu'au moins qu'on peut le faire. C'est bon, messieurs, j'ai vidé l'eau. On va pouvoir. Arrête, on n'en sait rien. D'où je suis foutu? T'as vu ça aujourd'hui où, toi? Je vais très bien. Salut. Que tout le monde va bien. T'as réussi. Bah ouais. J'ai cru que t'avais explosé. Bah non. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Je peux faire descendre cet abruti, t'en fais pas. Merci, petite. 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 Comment ça, petite? C'est quel chemin? Il y a des points d'interrogation encore, j'aime pas ça. Par là. Il y a un point d'interrogation par là. Je dois pousser ton gros cul hors d'ici maintenant. Mon cul est d'une taille totalement satisfaisante pour ta gouverne. Il faut dire à Corvend que ces hommes vont bien. Quoi ça? C'est bizarre ça, non? Attendez, c'est là qu'il y a le truc... Ah! Chemin bloqué. Outils requis manquantes. D'accord. C'est intéressant. Du coup, faudra revenir. Allez, on grimpe. Laisse-moi une minute. Et l'autre chemin, l'autre truc qui manque, c'est par là. J'ai oublié un truc dans cette salle? C'est par où? Ah, sérieux, tu veux pas monter là, Aloy? T'abuses. T'abuses carrément, moi, je trouve. Non, lâche la caisse. Vous croyez que ça passe? Ça passe, hein. Hey Fitzgaming, merci pour ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. C'est pas par là. Pas du tout par là. D'ailleurs, s'il y a cette corde, c'est peut-être pas pour rien. C'est dangereux les cordes là. Non, tombe pas. Je me jure que j'étais censée passer comme ça sur la corde. Allez, saute. Aloy, s'il te plaît. Attrape l'échelle, Aloy. Merci. Mais non, mais elle veut pas s'accrocher dessus. Bah ça va, ça va. On galère un petit peu sur, sur Horizon, mais sinon... Mais de rien, y a pas de souci. Bah alors. Ouais, non, vas-y, accroupis-toi, ce sera mieux. Voilà, descendre sur le rebord. Voilà, comme ça, je suis sûre que tu tomberas pas. Hop. Allez, on y va tout en douceur. Si y a cette corde, c'est pas pour rien, je pense. Ah oui, il y a un coffre encore là-haut qu'on n'a pas récupéré. C'est bon, on est arrivé. Ok, remonte. Voilà. Ok, et là, ici, tu peux monter. Hop. Il n'y aurait pas un chemin là-haut? C'est où, du coup, le... C'est totalement à l'opposé, là, qu'il y a un... truc inconnu. Je pense pas que ça passe, hein. Non, ça ne passe pas. Ça serait par là peut-être? Non. Non, 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 non. Mais c'est pas ici. Je m'y retrouve pas moi dans cette grotte. Ah bah c'est pour ça qu'on peut déplacer les caisses. Attrape la caisse. Elle est coincée. Et relâche la caisse. Monte sur la caisse. Oh, ça va peut-être un peu loin, non? Non. Fais pas ça. Là, c'est peut-être mieux, non? Ah bah j'essaye de grimper, hein. Je fais de mon mieux. Hein. Aloy. Aloy. Attendez, on va tirer un peu plus la caisse. Un petit peu plus, voilà, comme ça. Ça devrait être mieux. Voilà. Allez, monte. Oui, mais du coup, je suis juste remontée là. Je vois vraiment pas où est-ce qu'il est, ce point d'interrogation. Ça m'énerve. Il doit être dans l'autre salle, en fait. Aïe! Ah ça va, là on n'a pas perdu de PV. Y a pas un moyen de remonter facile là? Faut vraiment que je me refasse tout le tour? Oui, je veux absolument pas, absolument savoir ce qu'est ce point d'interrogation. Peut-être que si je mets la caisse là, ce sera plus facile pour monter aussi. Voilà, c'est mieux. Ok, du coup, c'était par là. Non, c'est pas par là. Mais c'est par où que je suis passée il y a 2 minutes? Bah, je sais plus. Ah, c'est là. Hop, monte à l'œil. On va y arriver. Mais du coup, ça serait plutôt la... la grande salle là-bas, quoi, où il y a... un point d'interrogation. Ça, c'est dans cette salle. Hey Tilly, merci pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Ok, alors maintenant, ce point d'interrogation, il est où exactement? Dans l'eau? Ah, voilà, c'est là. Plonge, Aloy, plonge. Plonge, 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 plonge. Déjà, il y a une caisse qu'on n'a pas ramassée, qu'on va gentiment récupérer. Ok, et du coup, il y a un autre passage ici qu'on peut pas ouvrir, c'est ça? Indisponible. D'accord. Ouais, remonte, remonte, remonte. Va pas te noyer. Ok, bon bah au moins on est sûr que c'est un chemin qui est pour le moment bloqué et qui sera débloqué plus tard. Un peu rincé. Ah non mais elle est comique elle. Merci Aloy pour tes remarques. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Bah sans elle il n'y aurait pas de jeu déjà. Hein? C'est un peu elle l'héroïne du jeu. Heureusement qu'elle est là. Ok. Ouais, pourquoi tu vas aussi loin? C'était pas nécessaire. C'est par où que je reviens? Je ne sais plus. Ah oui, il faut traverser là, ici. On saute! Et ça passe. Ok. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas. Bon, en tout cas tout ça c'est une bonne chose de faite, on peut ressortir tranquillement, sans regret, on a bien tout fait, on a bien tout fouillé. Allez, on grimpe. Non, on descend, moi je grimpe pas. Ok, hop, c'est peut-être un peu haut, non c'est bon, ça va. Ok, on ressort d'ici. Allez. On a sauvé les mineurs, on peut rentrer à la maison. Non, on va pas rentrer. Allez, on grimpe. On grimpe, ouais, 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 on grimpe. Laisse-moi une minute. C'est par où la sortie maintenant? C'est où la sortie? Bah ouais, bon, en même temps, j'ai fait l'aller, on était dans l'eau. Là, on ressort. On n'est plus dans l'eau. Moi, je sais pas, je suis perdue. Ok. C'est bon, on a sauvé tes mineurs, toi. Tout le monde y va bien? Ah, tu viens me voir et tout. J'ai trouvé les deux dont tu parlais. Ils vont bien, mais ils auront sûrement besoin d'aide. Les autres vont bien? Oui. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé. Je savais qu'on faisait trop d'explosions, mais celui qui dirige tout ici, Ulvund, n'arrêtait pas de me mettre la pression. J'essayais de protéger mon équipe de toutes ces exigences, jour après jour. J'aurais dû être plus fort. Mais c'est pas ta faute. Ce n'est pas rien, tu sais. Bah ouais. Il peut me menacer tant qu'il voudra. Je ne laisserai pas mes gars retourner dans ces mines. Est-ce que ça ira? Oui. Je vais me débrouiller. Je te dois une faveur. Faut encore te parler? Merci, chasseuse. Et jamais je vais aider les derniers à sortir. Tôt ou tard, quelqu'un va devoir s'occuper de lui. Bah, il a encore un point d'exclamation sur la tête, lui, c'est normal? Merci, chasseuse. Je vais aider les derniers à sortir. Ok. De l'eau. Partout. Oui, c'est bon, il n'y en a plus de l'eau. Mais c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, parce que le point, non? Merci, non. Chasseuse. Je vais aider les derniers à sortir. Bon, comment on repart de là, maintenant? Par là? Non, parce que j'ai escalé une falaise pour m'en venir jusqu'ici, alors... Je sais pas comment on repart, moi. D'ailleurs, en thème de quête secondaire, on est où? En fait, il y avait une route, là, tout simplement. Magnifique. Là, il y a encore un point d'interrogation. Là, il y a une quête. Voilà, on active cette quête. Récolter de la viande sauvage. Ah oui, il faut chasser les sangliers. Les sangliers. Ok, du coup, par contre, on n'a pas tellement besoin de l'afficher. Par contre, le point d'interrogation qui est là, on va bien y aller. Ah oui, c'est des suites de montures, mais je peux pas encore les... Je peux pas les pirater pour le moment. On est d'accord que je ne peux pas. Moi, j'apprécierais grandement. Ah si, on peut. J'ai rien dit. Ah, ça fait plaisir. J'avais oublié que c'était compliqué à contrôler quand même ce truc là. Ah oui, il s'arrête pas tout seul. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Ok. Des pillards. D'après les ducs, je peux trouver une plaque de métal dans un obstacle. On se fight à coups de monture. Bam! Ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien, ça. Bon, s'il meurt notre cheval, tant pis, hein, mais... C'est pas un cheval, mais... Ah non, mais c'est moi qui vais mourir, ouais. Mais il y en a encore combien, comme ça ? Eh, je pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. Ah, ok. Ils étaient que 3 à la base, ils sont sortis d'où tous? C'était un guet-apens, moi je dis. C'était un guet-apens. Du coup, je suis où, là? Bah, sinon, on va aller tuer l'ancienne, hein. Tu m'as pas vu, arrête. Des pillards. D'après Mildouf, je peux trouver une plaque de métal dans l'un de leurs stocks. Allez, viens. Viens, mon grand, viens. Voilà, un de moins. Vivant. Bon, les autres. Quelqu'un qui a manqué quelque chose? Vous avez rien vu. Vous avez rien vu, arrêtez. Eh, c'est mon cheval. Alors c'est vraiment mon cheval qui se fight tout seul contre eux? Et il est quasiment mort, je crois. Je vais prendre ça. Je t'avais pas vu toi en fait. Et les attaques silencieuses sans même avoir vu les mecs. Normal. Lui il m'a pas repéré techniquement. Hop! M'en sortir. Ah, on peut le réussir. Ah merde. On peut le ressusciter sinon, mon cheval. Ah, eux ils sont chiants en vrai. Je crois que j'en ai un autre derrière moi aussi. Aïe. tant de violence? Je crois que mon cheval est définitivement mort. J'ai pas été assez rapide pour le réparer. Il est où? Ah, il est là! Il est là, le copain! Mais d'où tu me touches? Mais décède, s'il te plaît. Allez. Il est pas mort? Il est mort. Eh, Revolky, comment ça va? Bon. Maintenant, je dois chercher une plaque de métal dans les tas de pièces. Ok, une plaque de métal dans les tas de pièces. Mais sinon, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Hein. Voilà. Ça fera assez de gibier pour Mildouf. Ok, on a le gibier. Bonne nouvelle. De métal. Allons voir dans un autre tas. On va voir. T'inquiète, on fouille tout à l'œil. T'inquiète pas, on fouille absolument tout. Ah, c'est plein. Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Ok. Eh ben, ça fait plaisir tout ça. Je crois que j'ai tout ce dont Mildouf a besoin. C'est bon, on a tout? Ça tombe bien, je commence à avoir faim. Ah, elle a faim. Aloy, elle a faim. C'est mon cheval, ça. Hop, on récupère les pièces. On en trouvera d'autres. Ah, il pleut le cheval. C'est pas un cheval en plus. C'est un... je sais plus quoi. J'ai oublié leur nom. Ah, mais il y a encore des trucs, là. Voilà. Ouais, j'ai plus de cheval. Alors, sinon, c'était ce point d'interrogation à la base que je voulais aller voir, et c'est pas comme ça. Moi, je mets un... là. Voilà. C'est loin. Par contre, il y a un feu de camp par là. On va passer à ce feu de camp. Ça nous fera une petite sauvegarde. On apprécie toujours les petites sauvegardes. Et ça fait aussi un point de TP au passage. Et ça, on apprécie aussi. Voilà! Ok, ce que je cherche, c'est là-bas, le petit point d'interrogation. Imaginez, c'est un creuset. Peu probable quand même. Hein. C'est pas du tout à fleur de roche, ça. Pas du tout un coup, est-ce que c'est la gueule? Ok, du coup, c'est quoi? Ah non, on n'y est pas encore. C'est plus loin, c'est plus loin. Voilà. C'est un petit peu plus loin. Hop. Ouais, peut-être que je les scanne. Faiblesse à la glace. Un sanglier! Faut mourir le sanglier! Merci! Donne-moi ta peau. Bon, mon point d'interrogation, il est où là? On est encore loin? J'ai dépassé. Pourquoi il n'y a plus le curseur dessus, là? Allez pas me dire que c'est dans les montagnes, quand même. C'est peut-être sous les montagnes. Alors là, voilà une question qu'elle est bonne. Encore un sanglier? On dirait une corne filante, avec des bois bien plus effrayants. Waouh, je peux les pirater ou pas? Non. Et ils ont l'air d'être assez méchants. Et j'ai plus de munitions. Ah non, en fait, ils sont pas si méchants, ils s'en vont. Je sais plus, moi, est-ce que je peux pirater ou pas. Bah, je sais pas tout court, en fait. Pourquoi tu veux te battre? Je t'ai pas touché, toi. Oh, comment il est tombé? Ouh, mais t'es violent. Alors, t'as les pièces qui s'en vont? Ouaïa! T'en as encore des points faibles? Et là, il reste plus grand chose, surtout. Il est au sol! C'est le moment de l'achever. Il est mort. Il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Ah, lui, il a été géré d'une main de maître, non? Bon, mon point d'interrogation, je sais pas où c'est. On va avancer parce que sinon, on n'avancera jamais, je crois. Bon, après, tuer quelques machines sur la route, ça fait pas de mal, hein? Fouille des débris de pillards, récupère quelques petites choses sympathiques, ça fait pas de mal. Allez. Est-ce qu'on peut aller valider nos quêtes? Là, normalement, j'en ai fait 2 de quêtes, je crois, non? Il me semble. Ah non, il y en a une, on l'a déjà validée. Faut juste ramener les trucs à cuisiner là au monsieur. Et puis ça devrait être bon. Ah dommage, j'arrive le cheval parce que c'était pratique quand même. On se retrouvera un autre. Faut pas s'inquiéter. Les montures, normalement, on sait pas ce qui manque. N'importe quoi. Voilà, bienvenue, étrangère. Hey, je suis encore là. Elle est encore là. Eh ben, ça va. C'était... C'est là-dedans, je crois. Excusez-moi, je passe. C'est toi. J'ai ce que tu voulais? Voilà. Ouais, me voilà. J'ai encore reçu la visite d'Ulvund en personne. Il a insisté, mais je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable, non? Bravo. En préparant son plat, j'ai mis 3 pincées de sel. Ah, incroyable. Au lieu de 2. Chaque voyage commence par un premier pas. Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau. Il a mis 3 pincées de sel au lieu de 2. Ah là, c'est la révolution. C'est beau, le mec il est chaud. Il est content. Oh, miam, 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 miam. Waouh. Mildouf, c'était incroyable. La prochaine fois que tu voudras le meilleur, tu sauras où me trouver. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Oh, c'est gentil. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds. Puisque t'en parles, tiens-toi bien, mais je concocte déjà ma prochaine action de résistance. J'espère à bientôt. Il va mettre 4 pincées de sel. Alors, c'est pas où qu'on ressort de là? Hein? La nourriture offre des bonus de compétences ainsi que des bienfaits temporaires. Le repas de nourriture réduit votre temps de récupération et de concentration des ingrédients cuisinés du monde entier pour acheter de la nourriture. Un seul effet de nourriture peut être activé à la fois. Ok. Je devrais peut-être faire des réserves de nourriture avant de repartir. Bah du coup... voir ce que Mildouf prépare. Mildouf, qu'est-ce que tu prépares? Vas-y, jette un œil sur le menu. Vas-y, montre-nous ça un peu, les repas gratuits. Il n'y en aura pas 50, hein, je pense. Sélectionner. Ouh, c'est gratuit. Tout est gratuit, on peut prendre le truc le plus cher. Ok, augmente les dégâts de mêlée de 2 niveaux pendant 3 minutes. Restaure 75% de santé et 75% d'endurance. Ah, je prendrai un très rare, hein, moi. On va prendre celui-là. Hein. Ouh, 0. Allez, on achète. Ouais, là, maintenant, c'est plus le cas. Voilà, il y en a qu'un qui était gratuit. Le reste, on va payer. Et on paye donc en matériaux. Du coup, le ragoût local, 20% de santé pendant 3 minutes. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, je peux en prendre que 2. Allez, on va prendre un petit ragoût classique. Pas assez de place dans votre sac. Ah d'accord, c'est parce que mon sac est trop petit que je peux en prendre que 2. Donc, faudra améliorer le sac pour ça. Ok, donc là j'ai les pierres, là j'ai le ragoût. La monture, pack de déplacement rapide, potion. Ok, on va rester sur les pierres. Ça peut toujours servir, les pierres. Non, c'est pas par là que je vais. Elle est où la sortie, s'il vous plaît? Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Merci. Allez, on va reprendre un petit peu la quête principale. Attendez, par là, je crois. Ouais, par là, c'est très bien. Du coup, c'est où? C'est où qu'on va? Petit zoom. Carte qui est très détaillée d'ailleurs. J'aime beaucoup. Bah, on va direct, direct là-bas. Hein. Il y a encore un point d'interrogation. Mais attention, je pense que là, on voit bien qu'il y a des passages qui sont bloqués. Donc, ce sera, je pense, pour plus tard tout ça. On reviendra, on débloquera de nouvelles choses. Ce sera pas un souci. Qui ça, moi? C'est là qui m'appelle? Je crois pas. Je sais pas. Alors là. Ah bah voilà des montures. Que demander de plus? Hop. Non, faut pas sauter, faut monter dessus, c'est mieux. Commencez pas, on s'en va. Tirez pas sur mon beau cheval. Il n'est pas à cheval. On s'en va, c'est bon. Chercher des traces de je ne sais pas qui. Ah, faut le réparer. Oh, ça me coûte des pièces de le réparer. Abusé. Bah après c'est un peu normal, hein, vous me direz, mais... Mais faut pas taper mon cheval du coup. Ah là, il y a une piste. Afficher la piste. Peut-être celle d'Érend et de l'avant-garde. Ok, on va suivre. Ouais, je laisse le cheval en arrière, c'est pas grave, de toute façon on peut l'appeler, hein, faut pas s'inquiéter. Maintenant qu'on l'a, on peut l'appeler quand on a besoin. Par contre, on vient de voir un gros truc se barrer. Hein. Tout va bien. Ça va encore taper. Moi, je récupère tout ça. Je viens d'en utiliser en plus pour réparer mon cheval. Je récupère. Alors, c'est encore loin. Il y a un truc qui m'a vu. Je me fais agresser? Ah non. Elle peut me dire que j'ai eu peur du sanglier quand même. C'est pas lui qui a fait ce bordel quand même. Si? Ok, là ça va puer je pense. Hein. Là je pense que ça sortira mauvais. Ok, il y a du fight. Ah, mais on le connaît, lui. Encore un de moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai été forgé. Pas de registre à remplir. Pas de patrouille ennuyeuse. Ah, le copain, il veut se battre. Papay! Paf! Et paf! Juste le marteau et le combat. Aloy? Elle-même. Érend! Ouh! Lui, il est un peu plus gros, un peu plus méchant. Reste pas là, je m'en occupe de celui-là. Reste où tu es, je m'occupe du reste. Ces pulseurs ont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Ok. Ah, oh, mais il y en a combien? Il y en a deux? Ok. Alors, il va falloir être un minimum stratégique. Ah, il n'y en a pas que deux, en fait. Du coup, lui, il bouge pas de là. Toi, on affiche ta piste, et lui, il bouge pas de là non plus. Hein. Je peux faire tomber ces rondins sur les machines, si j'arrive à les amener dessous. Ouais, bah faut déjà les amener dessous. Hein. Pour ça, on a notre arme secrète. On appelle ça des pierres. Merde, c'est mon câble, c'est pas ça que je... Mais... Reprends ton arc, Aloy. C'est raté. Ok, il y en avait d'autres par là. Hein. Ouais, même pour les amener par là. Vous venez? J'ai appris à pirater les machines dans des creusets. Je me demande s'il y en a ici. Eh merde! Eh merde! Je suis coincée, je vois rien de ce qui se passe. Bon, c'était pas prévu dans le programme. Je suis déjà plus de vie et il me lâche pas en plus. Ok. Lâche! Mais non, mais pas dans le coin de la map, s'il te plaît. Tu seras gentil. Allez, alors il court. Ouf. Les flèches normales. Il a broyé comme il faut. Toujours les broyer comme il faut. Ok, faut pas le calmer mon gros. Faut te calmer. J'arrive pas à viser ces bonbonnes. Faut viser les bonbonnes. Arrête de bouger. Plus de munitions, on apprécie. C'est toujours un plaisir. Raté, tu vas pas toucher les bonbonnes. Genre, elles sont pas pétées tes bonbonnes là, sérieux? Allez, pouf! Ça doit faire mal. Ah ouais, ça doit faire mal. Et d'où il sort lui? Et tu sors d'où toi, copain? Une munition, super, on apprécie. Comme le marteau et l'enclume. Ah, faut qu'il se calme lui. Eh, oh, toi aussi, faut que tu te calmes, mon gros. C'est bon? Y'en a plus? Y'en a plus. Bon, c'était pas ce qui était prévu, mais ça s'est bien passé quand même. Ça, c'est parce que je pense pas à réutiliser la pierre avant de lancer. Moi, pour moi, ça reste équipé en fait. Mais pas du tout. Faut que je rééquipe la pierre à chaque fois. J'en utilise une. Sinon, ça met des coups de lance et après, bah voilà, quoi, il y a tout le monde qui me voit. Hein. Sinon, c'était des sangliers. Hein. Des sangliers acides. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être se refaire des flèches. Une bobine est désormais... débloquez les emplacements de bobines sur vos armes et... en les améliorant. Ouais, ça, je connais. Ok, on va refaire des flèches normales. Et le grappin que je me suis foiré, il n'a pas été compté, donc c'est bon. Là, on peut peut-être se soigner un peu, ça fera pas de mal. On a des plantes de soins. J'ai de la place dans mon sac. On est bon. Allez, on fouille tout ça. On récupère tout. Les soins aussi, c'est important. Prenons les soins. Ok. Ah, tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur. J'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Nous qui avons fait le plus dur, ouais. Écoute, c'est surfait. Ça va, ça va. Il va crever, ça va, ça va. Oh, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Érend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial. Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ah, ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessée, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Oh. Toute seule. Ouais, bien sûr. Érend, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. En plein rencard. Ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voidis le studieux. Ah, oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voidis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, rien, laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Allez vite ton sac. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? On va laisser parler le cœur. Elle avait pas le choix. Il le fallait. Érend, écoute. Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider. Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer. Ce que je dois faire, je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Érend, par la forge. Lui, il est en train de crever à côté. Je devrais peut-être aller avec toi. Non, vraiment, t'as d'autres choses à faire. Apparemment. On va se débrouiller sans toi. Pourquoi il le prend mal? Ça me dit rien qui vaille. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On va essayer de ralentir. Oh. Encore du méchant à taper? Pas du méchant. Ils sont pas tellement méchants. Juste des machines, quoi. Ok. Allez. Ça va être encore un truc encore plus gros, évidemment. C'est toujours plus gros. C'est toujours plus gros, plus dangereux, plus méchant. C'est par là. C'est où? On retourne en ville? Au village? Ruine de la relique. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut aller voir ça? falloir que je trouve un creuset pour apprendre à pirater ça. C'est quoi ces bébêtes là? Ah mince, faut que je scanne. Ok. Il m'a vu? Ouais, il m'a repéré. Attendez, on va attendre qu'il approche. Allez, viens. Approche. Viens, mon petit. Viens. Approche, bordel. Ça va être violent. Évidemment, faut qu'il m'ait vu, lui. Ah, il est plus gros que le petit, hein. Ah, ok, c'est bon, il est mort. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Est-ce que je peux avancer jusqu'à mes ruines, s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas? Tout ce que je demande, moi, à la base, hein. C'est compliqué d'avancer dans ce jeu. Il y a toujours une bestiole devant nous. On ne peut pas avancer tranquillement. Alors. C'est ça, les ruines? Une ruine de l'ancien monde. Je parie qu'il y aura quelque chose d'utile à l'intérieur. Moi, il y a des bruits très étranges à l'intérieur, ouais. Quelqu'un qui se fight ou quoi? Je crois qu'il y a quelqu'un qui se fight là-dedans, non? Comment qu'on rentre, s'il vous plaît? Ah, là. Bon, qu'avons-nous ici? Est-ce que c'est vraiment ici que ça se fight? On pose un petit peu la question. Moi, je fais ma vie pendant ce temps-là, tranquille. Au calme. Ok, on lâche la caisse. On dirait que cette porte a besoin d'un module de clé pour s'ouvrir. Je le trouverai peut-être dedans. Ah, bah aussi, il y a quelqu'un qui se bat. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Range ça. Finissons-en. Mais non, mais bordel. Ah, attention de le laisser me charger. De toute façon, c'est sur toi qu'il est, hein. Je veux juste essayer de toucher ces bonbonnes. Arrête de bouger, le cochonou. Ouais, ça semble lié, hein, la cochonou. C'est bien avec la dame qui tank. Ça se passe très bien comme ça. Ah, ok, ça a explosé. Ah, voilà. D'ailleurs, elle est passée où, la fille? Y'a pas une fille, genre, il y a 2 secondes, là, qui se battait avec? Allô? Je risque pas d'en manquer. J'aimerais assez pouvoir sentir à nouveau mes jambes, si ça te fait rien. C'est vous? Ok, sauvegarde rapide. Attendez, ça l'a compté la sauvegarde rapide? Je crois pas. Ouais, non, là ça compte. On va te sortir de là, t'en fais pas. Ouais, on va te sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame qui a tanké pour moi. Non, pas ça. Allez! Pousse! Voilà. Merci infiniment, sauveuse. Juste Aloy, ça ira. Ouais, juste Aloy, c'est bien. T'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde? On est là pour escorter les miches délicates de Voidis jusqu'à l'ambassade. Si on arrive à éliminer ces fouisseurs. Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Skorok. Et c'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. En revanche, si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserai à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi, au cas où. Ça pourrait être utile. C'est quoi? Merci. Sois prudente, Aloy. Ouais, juste Aloy, c'est bien. C'est quoi qu'elle m'a donné? Bombe fumigène? Déployez des bombes fumigènes pour perturber les ennemis proches et retournez vous cacher. Les bombes fumigènes peuvent également être utilisées sous l'eau. Ok. Bon, et du coup, les ruines... Mais je crois qu'il me faut une clé que je n'ai pas. Donc, je crois qu'on ne peut encore rien faire pour le moment ici. Et ça, c'est terrible. À moins qu'on puisse casser ça. J'ai pas l'impression. Ça s'accrochera pas à ça. De toute évidence, non. Est-ce que genre si on tape dessus, ça passe? Ça casse? Comme ça? Non, je crois pas. Non, bah faudra voir ça plus tard. C'est par où? C'est par là? Et bah c'est parti. Sinon, il paraît que j'ai un cheval. Magnifique. Allez, montez. Bah il a pris des dégâts ou quoi? Qui fait des étincelles, le truc? Voilà la carrière dont Turlis a parlé. Ralentir. C'est le rond, ralentir. Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que les Oseram ont décidé de se battre. Alors attendez. Moi je fais une sauvegarde rapide. Et qui c'est qui se bat avec qui là? Ah! D'accord. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Attendez-moi, j'y arrive! Oh, il y a du monde! Enfin de l'aide! Je suis toute seule, moi! Wow, yeah, watch out, papa! Bah, tu vas les exploser, tes bombes! C'est ça, explose-les toutes. Une ouais. De moins. Allez, plus que 10. Non, j'espère pas quand même. Abusez pas. Eh voilà, il a tout cassé. Les cracheurs d'acide ont amené des copains. Wouhou! Wouhou! Ça commence à être compliqué. Ouais. Wapotchakapa. Merde. Je viens de tomber, tout va bien. Je crois que j'en ai un sur moi, non? J'ai de munitions. Mais arrête de sauter dans tous les sens. Attention, elle est foutue. Une machine de moins. Mais le machin, il est en feu, il me fonce dessus comme ça au calme, normal. L'acide est en train d'arranger. Tu dois agir. Ouais, je fais ce que je peux, Aloy. Abuse pas. J'ai plus de munitions, Aloy. 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 Crafte plus vite. Je veux pas dire, mais Aloy, il est quand même incroyable. En plein combat, comme ça, elle arrive quand même à crafter des flèches en mode au calme. Bah, tu voudrais bien mourir, toi? Ok, on va le finir. Coup critique, allez, hop. Encore une à terre. Eh ben, il y en a beaucoup, hein. Esquive. Les bonbonnes, les bonbonnes, les bonbonnes. Les bonbonnes. Je la touche pas. Voilà. C'est bon. La carrière est sûre. Ouf. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parle. Alors, déjà, tu m'appelles pas étrangère, parce que de étrangère à sauveuse, ça fait un gouffre quand même. Hein. Vous décidez. Hein. Sauveuse, étrangère. Vous voulez pas juste l'appeler Aloy? C'est très bien Aloy, non? Et moi, je récupère tout. Là, vu le combat. Vous êtes gentils, hein. Bon, il y avait plein d'éléments de décor pour taper, mais... Oui, viens là, j'arrive, ça va, j'y arrive. Ça va. Voilà, je suis là. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail? Mes gars et moi, on est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulvund ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund a tant de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe? On est censé travailler pour Ulvund. On extrait des pierres pour restaurer Cagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les coires. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. On a bien trouvé de Wayne. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Waouh. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ulvund et à Voidis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. Je vois plus rien, j'ai un problème de petit chat. Petit chat, faut pas rester là. S'il te plaît. Je vois plus rien, je peux plus jouer. Allez, viens. Vas-y, viens t'installer sur moi. Vas-y. Voilà, je suis gentille. Du coup, c'est où que je vais? Je retourne à la ville, c'est ça, là? C'est bon? Ok, on y retourne. Cheval! Allez, monture. On se promène en monture, nous. Ah oui. Allez, viens. Je t'ai épargné le combat, déjà. Non. Mais avance! Avance! Il est coincé. Une blague? Oh. Allez, c'est parti. Ah, il a du mal, hein. On peut tuer un raton laveur avec? Ouais, s'il vise correctement, peut-être. Attends. Ça te gêne pas, je récupère ça. Hein. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Non, c'est pas elle. Plus qu'à dire à Ulvund de faire sonner le sifflet et à Voidis de partir pour Cagnard. D'accord, j'ai pas le droit de rentrer avec. Recule. La monture ne peut pas entrer ici. J'ai compris. Mais laissez-moi le reculer. Oh. T'as rien de mieux à faire, la sauveuse. Et comment elle parle, elle? Pour ça, j'ai rien de mieux à faire. Je suis en train de vous aider et... Non, mais c'est toi, moi. Tu m'ignores encore? Bah ouais, je t'ignore. Je t'ignore complètement. Sauvegarde! Sauvegarde. Bon, il a intérêt de le faire siffler son sifflet parce que sinon je le tape. Hein. Là, il y a un mot. C'est pas lui, c'est lui. Hein. Toujours là, à ce que je vois. Ouais. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Oseram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Non, ouais, je peux le taper. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. Hein? La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Génial. Super. Ouais. Ah, il y a la motivation. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Bien fait. Ouais. 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 Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui. Tu as raison. D'abord, on fout la merde. Non, mais de toute façon, c'est beau. Hein. On a aidé, on peut... Les marchands sont disponibles. Vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos réserves et vendre les articles inutiles. Les articles sélectionnés, objets de valeur à vendre, peuvent être vendus sans crainte. Il existe de nombreux types de marchands. Tailleurs, tenues, chasseurs... les herboristes, cuisiniers, les autres marchands, propre stock unique. Vous allez voir les marchands que vous croisez. Et ben voilà, c'est magnifique. Maintenant que Skorok repart, les commerces devraient être ouverts. Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Voidis à Cagnard. On va faire les boutiques. Les boutiques. Je te réserve ma meilleure marchandise, Rokin. Vu que t'as fait retentir ce sifflet... Ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fouisseurs, il me semble. Prends ton temps, je te promets que tu seras pas déçu. Allez, montre-moi un peu ce que t'as en stock. J'ai amélioré ma tenue, alors j'espère... Ah, ça c'est des armes. Ouh, l'arc guerrier, ok, outils... Ressources, racheter. Ok, allez, montre-moi ça. Est-ce que je vois celui que j'ai, moi? Comparé, carré. Ouais, moi j'ai un arc de chasseur, tout ce qui est plus classique. Lui, c'est un arc de chasse à feu. Ok. Ok. L'arc de précision. Celui-là, je pense qu'on va le prendre. Je t'ai équipé. Je peux l'équiper là, ce sera parfait. Ces deux-là, je sais pas si c'est vraiment utile. Outil, ok. Reviens quand tu veux. Je reviendrai. Tu peux me réparer ça ? Je peux réparer tes outils, mais ton caractère est irrécupérable. Un type de munitions, je veux dire. De feu, ouais, parce que ça, c'est ce que j'ai pris, l'arc de feu. Alors, du coup, maintenant, il faut que... Et du coup, ça me fait deux poisons et du feu. Et il est blindé en plus, ça c'est... D'ailleurs par contre j'ai plus de... C'est à refaire. Ok. Ah c'est toi qui vends les tenues, c'est ça que je voulais voir aussi, c'est les tenues. Montre-moi un peu ce que t'as comme tenue. Chasseur Nora, c'est pas ce qu'on a ça déjà? Chasseur... Ah non, nous on a élu Nora. Attention, on est l'élu. Du coup, en fait, ces trucs sont nuls, non? Ah, il est un peu plus efficace contre l'acide. C'est l'acide, c'est pas du poison, c'est de l'acide. Frappe critique plus et attaque puissante. Moi, j'ai régénération concentrée et soin puissant. Et celui-là... Attaque silencieuse, soignante. Profil bas. Ah! Et résistance au gifle. Celle-là, elle peut-être être intéressante. Ça coûte pas super cher, on peut se permettre de l'acheter. Par contre, je voulais pas l'équiper. Des vêtements pour toutes les occasions. Attendez, il est équipé là? Inventaire, tenue. Ah, c'est celle-là que je veux. Équiper. Vraiment. Les tenues, ça se change en fonction de la situation. Ok, munitions, ressources. On a l'atelier, on a la caisse de stockage. On a quoi d'autre comme comme boutique? C'est tout ce qu'il y a ou... Ah ouais, mes points de compétence, ça serait pas mal de les mettre. Éventuellement. Ça peut être pas mal, c'est quoi ça? Fonte explosive. Lance une bombe. Maximum de 3 rebonds. Ah, ça rigole pas. Hein. Ça aussi, ça rigole pas en vrai. Ça peut être pas mal aussi. Sinon, dans les autres, il y a quoi le... Non, c'est pas ça que je voulais. Le chasseur. Le chasseur, je pense qu'il y a des bonnes choses aussi. Augmente notre limite de concentration. Il permet de durer plus longtemps. Ça, faut le prendre en vrai. Vas-y, apprends. Et ça se vide moins longtemps. Récupérez votre concentration plus rapidement. Passer en mode concentration et ralentir le temps. Ça, c'est bien de ralentir le temps. On va prendre celui-là. Faites pleuvoir des flèches sur l'ennemi en tirant une salve de flèches. Trajectoire haute. Ouah, c'est ya. Ah, mais il y a des trucs de ouf, hein, quand même. Pour placer les pièges plus vite. Et le souffle de raisonnement, ça, je sais pas trop. Hein. Furtivité, ça peut être bien. Hein. Ouais, je vais d'abord monter la survie, je pense. Alors, on a le choix entre ces deux-là. Trois arbres. Je pense que celui-là est mieux. Ouais, celui-là, en vrai, ça me paraît fou. Ah, transporte plus de baies. Très utile aussi, ça. Allez, hop. Il me reste un point. On va prendre ça. Voilà. Bonne chose de faite. Ouais, je peux pas encore équiper les... Encore équiper les trucs. Ok, bah je pense qu'on peut continuer. Vous avez déverrouillé une technique d'armes. Les techniques d'armes sont des attaques uniques puissantes qui vous offrent de nouvelles stratégies exceptionnelles en combat. Les techniques déverrouillées sont disponibles pour toutes les armes de leur catégorie. Maintenez ou appuyez R1 en visant pour utiliser la technique sélectionnée. L'endurance d'armes baisse. Elle se régénère. Ok. Mais encore. Ah, c'est ça. Je crois que c'était ça. Je suis pas sûre. On ira bien partout, il faut pas s'inquiéter. Petite caisse rare. Hop, on récupère. Bonjour madame. Ah non, c'est monsieur, c'est l'autre machin studio là. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. T'avances et tu te tais. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, Voidis. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. À plus. Avance, mec, et arrête de nous embêter. Hein. Il est relou, lui. Hein. Il est relou. Bon, maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrai retrouver Silence, Hadès, Peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Cagnard. Ou alors je peux visiter un peu les coires avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra. Ce fameux verre avec Petra. Du coup, on peut rester un petit peu ou se barrer tout de suite. Là, je vois qu'il y a une quête. Oh, toi? Oui, autre chose. Bah non, rien. Il faut que j'y aille. D'accord. Rien de rien. Je voulais pas bouger. Alors, c'est un jeu de télac. Mais tout le monde pour la bière finalement. Tiens, assieds-toi. Voilà, on est venu. Une pinte dans les mains. Je m'attendais pas. Allez, on va picoler. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi? Ouf. Oh, la taille des shops. Eh ben. Le feu et la braise. Le feu et la braise. Par le feu et la braise. Allez, Aloy, cul sec. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production. Mais on a toujours Ulvund qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie. Oh là, violence. Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de Brunante. Après tout ce chemin, en endurant je ne sais quelle corrosion... Des Karja de l'ombre réfugiés? Qu'est-ce qu'ils font au coir? Ils cherchent un foyer, j'imagine. Ils campent près d'un vieux sentier, c'est au sud-ouest. C'est bien là le problème. Un oiseau tempête s'y est écrasé la semaine dernière, et Toland le fourga tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire, un truc du genre la voix du crépuscule. Oh. La voix du crépuscule. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, mais tu sais, ce groupe de Karja de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin, globalement, ils sont inoffensifs. Toland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer, pour les convaincre de monter leur camp ailleurs. Peut-être bien. Donc, ces fouisseurs dans les coires... il va vomir, lui, ou quoi? Où est-ce qu'ils sont venus? C'est un mystère. Personne n'en sait rien. Ils sont arrivés un beau jour et ont ravagé la vallée comme s'ils avaient jailli d'une forge. On a perdu des gens bien. Comme ça, par magie, ils sont arrivés. Soit loué, tu les as éliminés et t'as relancé l'activité ici. Ça va compliquer les projets d'Ulvund. Oh, si seulement il y avait un moyen de les enterrer définitivement et de le chasser de la ville. Mais en quoi des fouisseurs dans les coires pourraient aider Ulvund? 3 mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Ulvund en a profité pour accuser les Karja. Il espère provoquer assez de cœur pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. Ah, super. Et les gens le croient vraiment? Beaucoup ont subi la cruauté du roi Soleil. C'est pas un gentil. À la moindre occasion, il peut le taper aussi, lui. Non. Ah, ces esclavagistes Karja. Ah, ils sont raides, les mecs, hein. Faut arrêter de picoler, hein. En fait, après la grande bataille de Méridian, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien, pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnard, qu'il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'est? Non, pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. Celle qui va devenir la nouvelle boss une fois qu'on a retiré l'autre là. Yeah. Est-ce que tu peux me dire d'autres sur les Karja de l'ombre réfugiés? Ça va être elle la boss. Ils ne se revendiquent pas Karja de l'ombre. Enfin, plus maintenant. C'est un autre genre de fanatique du soleil. Mais bien que leur culte soit bizarre, ils sont totalement pacifiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est un endroit pour vivre en paix, prier et juste assez de nourriture pour survivre. Donc ils ont établi un camp près d'un sentier et ils empêchent l'accès à un oiseau tempête mort en attendant... Quoi, exactement? Je sais pas trop, mais une chose est sûre, si jamais il leur prend l'envie de piller, un cœur d'oiseau tempête vaut une fortune. Et s'ils y arrivent avant, d'après la loi Oseram, il est à eux. Mais ce Toland le Fourga n'hésitera pas une seconde à enfreindre la loi. C'est qui Toland? C'est qui ce Toland le Fourga? C'est un prêteur sur gage arrogant. Il a une boutique en ville. Il vit à Skorok depuis que Skorok existe. Il connaît Ulvund depuis toujours. Ils sont comme deux charbons dans un foyer, ces deux-là. Donc Toland travaille pour Ulvund? C'est ce qu'Ulvund doit croire. Mais Toland gère ses propres arnaques. Et c'est pas le genre à laisser une poignée de réfugiés se mettre entre lui et des pièces d'oiseaux tempête. Du coup, il est prêt à défoncer les réfugiés. Ok. Sympathique le monsieur encore. Il y a des gens sympathiques ici. À propos d'Ulvund. Comment il s'est retrouvé à ce poste? Il est arrivé ici tôt comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé quémander dans tout prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au Coire. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient au Karja et que le roi Soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Ouais. C'est de la magouille tout ça. Contrat de concession. Qu'est-ce que c'est au juste ? Et en quoi ça aiderait Ulvund? C'est de la connerie, voilà ce que c'est. Merci pour ton explication, monsieur. Je mettrais toutes les propriétés Oseram des Coires à la loi Oseram, même si elles sont en terre Karja. Ça voudrait dire que les Karja ne pourraient révoquer aucune concession pour le minerai, la pierre ou le bois. Sans ce risque, les investisseurs de la requête n'hésiteront plus à cracher les éclats pour développer leurs affaires. Et comme Ulvund a des intérêts dans ses concessions, ça le rendrait plus riche qu'une charognarde dans une décharge. Sans oublier que Skorok deviendrait une municipalité Oseram, ce qui lui permettrait de voter pour devenir échevin. C'est un vieux renard, je le reconnais. Il pense que s'il continue de lui mettre la pression, même le magistrat signera. Ouais, j'espère qu'il signera pas. En plus, j'ai pas l'impression qu'il est très envie de signer. Si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland la leur complique. Petra a dit que Toland avait une boutique ici à Skorok. Je pourrais peut-être commencer par lui parler. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Fais pas ça. Lui, il me vend des nouveaux plats ou quoi? Là, je suis coincée. Ah, un tabouret. Oh, ça va les rendre fous. Je vais ajouter une pincée de piment à leur dessert. Quelle fourberie! Waouh, lui il s'améliore, hein! Une pincée de piment. Ouais, du coup, je peux rien acheter. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Parce que j'ai plus de place dans mes sacs. Ok. Bon. Du coup, ça donne quoi là, un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va? Ouh! Faut aller très loin. Et on s'en va, faut aller très loin. Sinon, il y a les quêtes secondaires. Faire sur la route. Yep. Il y a encore une quête à prendre là. Eh bien écoutez les amis, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Je ferai sûrement les quêtes secondaires de mon côté. On puisse se concentrer sur l'histoire principale. Donc voilà, il y aura peut-être un autre live demain sur sur Horizon. Je suis pas encore tout à fait sûre, on verra bien. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette aventure vous plaît pour moi. Moi, en tout cas, je me régale. Ce jeu est magnifique. On a un ciel magnifique, des falaises incroyables. C'est superbe. Il est très beau le jeu. Magnifique, il est très bien fait. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur du Horizon. Et puis, eh ben, je vous dis à la prochaine, les amis. Sur ce, bye bye.